Hey! Salut à toutes et à tous, ici Psychose, et on se retrouve pour le cinquième épisode de ce Let's Play sur Dungeon of the Endless. Alors, bah qui dit cinquième épisode, bah donc cinquième étage, hein, comme on le voit en bas à droite. Ça se passe toujours bien. C'est d'ailleurs étonnant, hein, mais en général, hein, quand si ça commence à mourir, c'est que... Bah c'est que c'est la fin, après ça se finit assez vite. Alors on a 4 héros, nos 4 héros toujours. Et puis voilà, hein. On voit que j'ai réussi à stocker un énorme montant de ressources pour le début de cet étage, vu que l'étage 4 était assez tranquille. Et donc bah je vous propose de commencer cet épisode maintenant. Allez hop, c'est parti. Alors déjà 4 chemins. Hein. Autour du cristal, je déteste ça. On est bien obligé de faire avec, hein. Bon, 6 brumes par contre, ça je veux bien, dès la première salle, avoir 6 brumes. Une petite salle. Ah, vous voyez, hein, au fur et à mesure des étages, l'environnement change légèrement. Des nouveaux visuels, c'est toujours sympa. Bon bah c'est bien là, avec la brume que j'ai ramassée, je peux déjà... On va continuer vers là. Ah bah un cul-de-sac. Oula, par contre... help, ici. Voilà. Alors vous voyez, hein, quand on met les 4 héros ensemble, franchement ça se passe bien. C'est après que ça devient... Quand on va devoir les diviser et tout, ça devient toujours galère. Alors, bah écoutez, on va construire. Comme d'hab, le générateur d'industrie, même si on en a énormément, bah il faut toujours, hein. Faut toujours mettre... Enfin, moi je mets toujours ça en premier, hein, quel que soit l'étage, à part si vraiment je me retrouve avec 500 d'industrie un jour. Là, peut-être j'y réfléchirai, mais... En attendant, voilà, quoi. Alors vu que c'est un cul-de-sac, par contre, je vais rien protéger du tout, hein, ici, hein, parce que ça sert à rien. En tout cas, à ma connaissance, ça sert à rien. Jusqu'au jour où il y a des nouveaux monstres et je me fasse savoir, mais pour l'instant... Ah, un nuage toxique. Génial. Mais bon, au moins c'est une salle, hein, avec un emplacement de module majeur. Ben, on va faire de la nourriture. Et on va construire. Ah, je vais juste faire de la défense. J'ai que 3 emplacements de modules mineurs. C'est pas terrible, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et 2 modules laser. Voilà. Voilà, voilà. Y a pas plus. Je vais mettre. C'est le robot. De toute façon, on va tous les ramener là. Et je vais continuer vers le haut. Hein. On va m'amuser. Si je peux ouvrir les 4 côtés le plus tard possible, je le ferai. Hein. C'est vraiment pas l'idéal. C'est un étage spécial nuage toxique. Ça va être la galère. Je me demande même si je vais pas le laisser, lui. Parce que je vous rappelle, lui, il est déjà très lent. Alors, après, on a elle qui est... Voilà, même sous nuage toxique, voilà, c'est quand même autre chose, quoi. Je vais faire comme ça, hein, pour l'instant. Pour l'instant, on va ouvrir donc avec la fille. On continue par là, un cul-de-sac. Alors. Ouais, une vague. J'ai trouvé 9 de science. Bon, bah la vague, hein, pas très dur. Hein. Oh, c'est quoi ça? Stylé les monstres, ici. Stylé. Ah bon, on a beaucoup de nuages toxiques. Par contre, ce qui est bien, vous voyez cette salle là, elle a 2, 4, 5, 5 emplacements de modules mineurs et puis toujours, j'ai plein d'emplacements de modules majeurs. Et ça, ça c'est plutôt bien. Alors on continue. Une salle normale, y a rien. Alors par contre, ça pop sévère ici.
pas sympa ça. J'ai deux salles non éclairées. Et j'ai deux vagues. Alors, oh là là. Ils vont passer ça? Non. Et vous voyez, le plus ils passaient déjà. Ce qui est vraiment un très bon signe, génial. Alors cette salle, une petite salle, c'était donc. Continue. Cul-de-sac. Quelque chose dedans? Non. Trois vagues, mais. Bah sérieusement là et. Ouh ouf, ouf, ça frappe. Wouah wouah wouah. Eh laisse-moi rentrer à la maison. Ils sont sérieux. Ouais, bah ouais, mais violent quand même. Si ça, ça sera pas trop, je crois. Mon dieu. La nourriture que j'utilise. Comme quoi ça sert d'amasser les ressources. Mais bon, là, ils sont pas sérieux quand même. C'est les gros là qui me font super mal. Là, va falloir faire quelque chose. Hein. Oh mon dieu. Je sais pas combien exactement j'avais de nourriture au début. Je crois que j'ai dû utiliser. Je pense que j'ai dû utiliser 60 de nourriture, un truc comme ça, rien qu'en soin, quoi, pour essayer de la sauver. Enfin, pour la sauver, hein. Bah, merci cette salle-là, hein, elle sera... Et je vais faire un deuxième truc de nourriture, tout de suite, on prévoit, hein. Parce que là, non, quoi. Oh là là, qu'il est lent, ouais, lui, c'est impossible. Je me vois pas le bouger, quoique... Maintenant, là, c'est des salles normales. On va pouvoir le reprendre. Bon, alors, les défenses. Une mitrailleuse. Deux modules laser. Et, l'auto-soignant, merci. Et si je mets deux auto-soignants, est-ce que ça scume? Par contre, il est immense. Immense, ce module. Est-ce que ça scume? Sinon, j'ai quoi? C'est vrai que j'ai le leurre. Mais bon, vous vous rappelez le leurre, hein, l'épisode suivant, précédent, pardon. C'était pas énorme en efficacité, hein. Mais non, je vais prendre le truc de défense. Sera bien aussi, hein. Et voilà, donc, bah, on va reprendre lui. C'est quand même, hein. Ah, je suis un peu sur le cul, quand même. La puissance de ces monstres, c'est affolant. Et ça pop dans chaque salle, alors je sais pas si c'est... Je sais pas si ça va être tout le temps comme ça, et j'espère vraiment pas. Sinon, allez monsieur, pas s'ils en ont rien à foutre. Je vais quand même ramener l'autre, hein, maintenant, hein. T'es bien sympa de travailler là-haut, y'a rien, mais... Excusez-moi, on a besoin de lui, hein. Faire bien attention. En plus, lui, quand on le nourrit, il... bah, c'est parce qu'il a pas mal d'HP, mais voilà, quand on le nourrit, on le nourrit de pas grand-chose non plus, hein. Et il se fait enchaîner, mais... comme un malpropre. On continue. À perdre toute sa nourriture que j'en ai bientôt pu. Ils sont sérieux? Oh là là, la galère. Et tous les monstres qu'il y a encore? C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai 6 de nourriture. Génial, j'ai envie de dire. Oh mon dieu, bon. Bon, bon, bon. Alors réfléchis, réfléchis. Parce que là...
quand même, quoi. On va les remettre sur les modules. Alors là, je donne pas cher de ma peau. C'est assez imminent, je pense, malheureusement. Ça risque d'être un épisode assez court, on verra bien. Alors, on va ouvrir... Mais attends, là j'ai 2, 3, 4 salles dans le noir. Et je vais avoir... Si j'ai... Si j'ai 4 vagues qui pop, je pense c'est la fin. Je peux pas plus protéger que ça, hein, de toute façon. Ouais, je peux pas... Je peux pas alimenter. Ou alors, je devrais... Ou alors... Ouais, mais après, ça vient... Non, ça vient par là. J'explique même pas la catastrophe, quoi. Ou alors... J'en laisse ça là. Normalement, ça pop pas. J'ai envie de dire tant pis pour le module, hein, pour l'instant. C'est pas ça notre priorité. Hein. Et je mets de la défense là. Que ça tape un petit peu, mais bon. Mince. Je doute de l'efficacité de la salle quand même, mais bon, ça fait toujours. Écoutez, on va partir comme ça. Tant pis pour le module pour l'instant. C'est pas ma priorité. Hein. Un nuage toxique, 3 vagues. Eh mais ça loupe pas, hein, dans chaque salle. Hein. Tous les regrouper. Au moins ça les occupe. C'est quoi ces petits... Il y a des petits diamants en ennemi là. Ils étaient peut-être déjà là tout à l'heure, mais avec tout le bordel, je les avais pas vus. En tout cas, encore 3 vagues, hein, j'ai envie de dire. C'est malheureux. Regardons la vie. Pour l'instant, c'est bon. Ouais, je les occupe avec une salle, quand même. Ouais, c'est quand même plus efficace d'avoir une salle de défense encore avant, j'avoue. J'avoue que ça vaut le coup ce que j'ai fait, j'ai l'impression. De toute façon, on n'avait pas le choix. Bon, lui, on le remet, ça ne fonctionne pas, mais je rappelle que si on met un bonhomme dans une salle non alimentée, ça évite les vagues d'apparaître. Par contre, on a besoin de se refaire un stock de nourriture, hein, donc on peut pas mettre tous nos héros dans des salles non alimentées. Hein. Ça donne quand même trop de nourriture. Enfin, mettre un mec sur un module alors qu'il a la capacité, c'est quand même, ça donne quand même beaucoup plus. 18 de nourriture par tour, c'est pas négligeable. Hein. Et là... Ah ouais! Alors monsieur explose et moi j'ai la moitié de la vie qui part. Ok. Intéressant. On va se soigner une fois. Ah ça c'est violent. Les unités explosives. Bon bah vous avez découvert comme moi une nouvelle unité. C'est ce... Non c'est pas cela. Hein. Hein. Quatre vagues. Vous sentez la panique? De nourriture. Ouais, on va faire avec. Il y a quelqu'un qui est pas là. Là. Et c'est le stress. Et puis je gagne pas de brume quoi. Encore, il me filerait masse brume. Je veux bien, mais là, ils sont assez radins. Dans le style. Parce que j'ai pas de brume, du coup je peux pas alimenter les salles. Du coup bah c'est en plus vu que c'est apparemment c'est pas moi, ça pop vraiment dans toutes les salles là.
Ça veut dire que si tu trouves pas la sortie assez vite ici, tu peux remballer, j'ai l'impression. Salle vide. Avec des créatures hostiles dedans. Oh, il n'y a pas de vague en plus. Oh, par contre, il déguste quoi. Eh bien, je l'aurais attendu, hein, ce petit round tranquille. Fait du bien, ça permet de refaire les stocks parce que. Ah, il manque un de brume pour activer ça. Et encore, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de l'activer, hein, de nouveau. Dans l'immédiat. Hein. Refaire une salle, par exemple, ici. Enfin, je sais pas trop, on verra. J'y suis pas encore. Hop, voilà. Je crois que je vais prendre. Je vais prendre la meuf qui court vite, parce qu'il a pris. Vous avez vu, hein, il a pris très cher avant de revenir, hein, déjà. Alors qu'il y avait 4 créatures, quoi. C'est ça le plus dingue. Un cul-de-sac ici. Avec un artefact et 4 vagues. 4 vagues, bon, ok, génial. À protéger. Et même pas de brume, hein. Je peux même pas s'abuser. Bon, allez, hop, c'est parti. Elle court vite, elle devrait pas trop se prendre de dégâts sur le chemin. Quand même, quoi, mais bon. Il soigne bien, hein, mon module là. Module auto-soignant. C'est pas assez. Ouh, ils sont en train de tout détruire. Bah écoutez, tant pis, on va reconstruire ça. C'est pas très grave. Ah! J'ai gagné un peu de brume. Bon, alors. Je crois que je vais quand même réalimenter ça, parce que j'ai quand même un petit peu besoin de. Du coup. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est reconstruire. La mitrailleuse, les modules laser. Voilà. Du coup, je vais en laisser que deux sur les modules. Hein. Et lui, je vais le mettre là. Pour éviter que ça pop ici, tout simplement. Voilà. Et c'est toi qui vas là. J'ai besoin de la fille, elle court vite. Qui est plutôt pratique. Alors cul-de-sac ici. Ouais, j'ai ramassé de la brume encore hein, dans cette salle. Et on continue par là. J'espère quand même que ça va être ça va pas être un cul-de-sac. Voilà, il y a plein de chats. J'aurais pas voulu encore ouvrir un autre côté à côté du cristal. Hein. J'ai déjà du mal à protéger en haut. Hein. Il faut que je m'amuse à protéger un autre côté supplémentaire. C'est autant dire que c'est la mort, mais quasiment. Rien qui apparaît. Oh, merci. Merci bien. Alors, c'est vrai que j'avais trouvé un artefact. Oh. On va peut-être y aller et mettre un bonhomme. Je vais mettre lui en protection. Bah non. Ça fait loin. S'il y a des ennemis, on va pas mettre de protection, mais on va tenter une recherche. S'il y a quelque chose d'intéressant. Monte là-haut. Créateur de science. Opérateur. Opérateur peut être intéressant pour mon module. Coincé sur la gauche. Mais j'ai envie de dire que j'ai besoin d'attaque. Hein. Et tourelle équipée superbement. Lacérante blesse ses adversaires se trouvant dans la même salle. Je n'ai jamais fait ce module Tesla. Mais, vu les circonstances, je vais la faire. Et essayer. Espérons que ce sera pas la recherche, une recherche pourrie, mais voilà. Bon, bah, on va tout laisser comme ça.
c'est éclairé, blabla. Et on va continuer. Continuer d'ouvrir. Alors, une recherche, c'est bien, hein. J'ai pas besoin de faire plus. De toute façon, je n'ai pas de module majeur de science pour le moment. Cul-de-sac, quelque chose dedans, que dalle. Ah, il me laisse un petit repos, hein. Deuxième salle de suite où il n'y a rien. Je ne suis pas contre. Et 80 de nourriture, je ne suis pas contre non plus. J'aimerais bien augmenter un héros d'un niveau. Le souci, c'est que j'ai peur maintenant. Soit 62, 76, 64 et 68. Ah, je l'augmenterai bien d'un niveau quand même. Hein. Plus de PV, plus de défense, plus de vitesse encore. Plus de DPS. Écoutez, je vais l'augmenter. Tout simplement parce que je vais quand même gagner encore 22 nourriture. Quand j'ouvrirai la porte, ça va me faire presque 40. J'espère que c'est pas le truc de trop, mais... Alors, elle vient de débloquer Duelist, c'est ça? Je me demande si ça se cumule, ça serait énorme. Mais à mon avis, non. Du coup, ça me paraît très abusé. Mais je ne sais pas, et des combats en 1v1, on a rarement l'occasion d'en avoir dans ce jeu. C'est des vagues qui arrivent, donc forcément du 1v1. Mais bon, moi ça l'a augmenté d'un niveau et tout. Cet endroit n'est pas grand chose, mais c'est le mien. Faites attention à ce que vous touchez. Bah, je m'en fous, ignorez. On ignore le monsieur. Je vous rappelle, on peut pas avoir plus de 4 héros dans l'équipe. Donc tu vas me servir de distraction à une vague d'ennemis. À un moment, quand ça arrivera. Eh oui, je suis vilain. En même temps, on peut pas faire. On peut pas espérer autre chose. Alors là, ça apparaît. Module Tesla déverrouillé. On va te ramener là des vagues. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a toi. Bon, on va quand même essayer de te protéger là, si possible. Ok, ils en ont strictement rien à foutre. Normal. Ah bah si, voilà. Il y en a qui veulent m'attaquer moi. Alors, on va céder un peu. Là, il y en a un qui reste. Ça fait quand même 3-4 fois, 3-4 tours où il n'y a pas de vague supplémentaire. Hein. C'est... bien et inquiétant à la fois quand même, hein, je sais pas. J'ai qu'un module ici. Foutre de la gueule du monde quand même. Moi ça me paraît faible, ça me plaît pas. Autant j'ai eu un bon démarrage, mais puis là je vais pas faire là, ça protège que là. Ça me protège pas plus. Et je pourrais mettre le gros là. C'est pas encore trop loin. Et mettre un truc de science ici, donc. Moi j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas mis la science. Le drame. Bon. Ouais, comme ça. Pourquoi pas? Ça me fait pas plus de défense, mais pour l'instant ça va, et puis j'ai augmenté d'un niveau quand même. On va voir les recherches. Puis bon, je voulais faire un truc assez safe pour la recherche justement. C'est quand même intéressant la recherche. La mitrailleuse 3 à 4, ça fait quoi? Puissance 4. Délai 0,1. Ça met juste plus de temps au refroidissement. Ah c'est ça, je vais quand même vérifier. Ouais, ça m'augmente pas en fait la puissance. Je vais arrêter d'augmenter cette mitrailleuse. Par contre, ça me plaît, hein. Rajoute 19 de puissance au héros dans la même salle. Niveau 1 à 3, alors que niveau 1, ça en rajoute que 13. Ce qui est déjà bien, hein. On va faire ça.
Et donc, bah, on va continuer d'ouvrir. Hein. Pas... Non, c'est bon. On va donc bien continuer d'ouvrir. Allez, il est toujours vivant, lui, je peux m'en... Ah, générateur de brume. Ouh. 4 vagues. Il était temps, en même temps, très bien que ça revienne un jour. Hein. Je pense qu'on est... On est en état de protéger ça. Oh, elle a pris un coup. Encore un truc explosif? Ça m'étonnerait pas. Ah ouais, elle a pris un sale coup. Hein. Ouais, taper, je m'en fous. Bien ça. Ça me plaît. J'ai perdu un peu de... je vais faire avec des modules laser. Hein. Je suis en plus, de toute façon, ça m'augmente pas là. Je suis un peu déçu, j'avais pas fait gaffe. Je n'en ferai plus que dans les salles où j'ai un module majeur, une comme ça. On va replacer nos héros. Hop. Et bon, j'ai 53. Et je vais quand même ouvrir, là, c'est de la brume, j'en ai besoin. Là, j'ai vraiment besoin de brume, hein. Là, y a pas de souci. 30, mais bon. Plus 14. Plus 14. Encore ici, j'ai envie. Un autre module. Et ce sera même un. Je sais déjà ce que ce sera. Ce sera ça. Voilà. Et j'ai pas besoin de le protéger plus. Mais ouais, j'avais envie de le faire parce que. J'ai quand même. Voilà. Une pénurie, c'est le cas de le dire. Et je vais augmenter un perso de niveau. Toi? Ça me ferait 10, 30 de nourriture pour le sûr. Il gagne quand même plus 5 en défense, ça me plaît. Plus 4 en DPS, de la vitesse. Et encore, ah ouais, de l'astuce. Ouais, je vais l'augmenter, lui. Vous voyez, il gagne un peu tout. Et il a gagné... Une compétence passive. Astuce, plus 8 pour la réparation. Et plus 4 pour la manipulation. Oh, c'est... Alors là, par contre, lui, il me donne... Il doit me donner énormément. On va voir. Là, je suis à plus 22 de nourriture. Plus 16. Ah, il donne plus 6 quand il manipule un module, lui, maintenant. Avec le niveau qu'il a pris, c'est quand même assez intéressant. Alors, toujours pas fini ma recherche. Je sais même plus ce que c'est. Si c'est le, le robot de tir suppressif. Deux portes. Lui. Je peux améliorer une... Enfin, je peux alimenter une salle, mais je sais pas laquelle. Parce que là... Là, j'ai pas de... Ah si, j'en ai deux. Et là aussi. Du coup, ce sera là. Je vais alimenter là. Et je vais laisser lui... Non, lui, non, je vais pas le laisser. Hein. C'est un mauvais plan, lui, je rappelle, il est nul... Il est nul, hein. Enfin, il peut. Déjà, je peux pas le mettre sur un module majeur. Et c'est pas qu'il est nul, mais il est lent. Je peux pas me permettre de le perdre, ce qui fait quand même mal. Et c'est un sac à PV, c'est un tank. Même si j'aimerais bien que ce soit lui qui tanque tout. Toi, t'es toujours vivant, ouais. T'as de la chance, dis donc.
Donc voilà, je vais ouvrir, je vais mettre les protections. Voilà, j'ai dit que j'ouvre et je mets direct. Est-ce que j'essaye? Ce sera un peu. Ouais, ça coûte 7. Puis j'ai 2, allez. Hop, j'essaye, j'en mets un. Un module Tesla, on verra bien. Alors, ouverture de la porte. Des créatures hostiles découvertes, direct. Donc on va regrouper tout le monde. Quoique, peut-être pas, on va voir. Si. Toi, au revoir. Je pense. 5 vagues. Je sais pas si ça tire. Ça doit faire des dégâts comme ça. Ouais, voilà, ouais, ça attaque quand même. Mais bon, au niveau 1, c'est pas ouf, hein. Et vous voyez pourquoi j'ai fait un deuxième. Hein. Ah, c'est lui qui tank, ça me plaît bien. Et pourquoi j'ai fait un deuxième module de. Deuxième module d'industrie, hein, ça sert. Et d'ailleurs, je vais arrêter un peu avec la nourriture. Je vais en mettre un. Je vais mettre celui-là. Hein. Je vais le mettre ici. Plus 18 sera pas trop. Parce que là. Et donc, Tesla, ça a de l'avenir, mais c'est pas. Mais niveau 1, c'est pas terrible. Faudrait que je l'augmente, quoi. Mais sinon, ça me plaît bien, quand même. Ça a l'air assez bien. Bah on va continuer, hein, comme toujours. Et faut pas que j'oublie de mettre des défenses dès que j'ouvre la porte. 33 de nourriture, bien bien bien. J'aimerais bien les mettre tous au niveau 5. Ouvrir par là. Petite salle, mais on voit que. Ah, l'industrie gratuite. Et là, faut vite que je mette. Encore 5 vagues. Non. Faut laisser appuyer sur Shift. Et on place. On place et on va vite défendre. Et voilà. Je pourrais peut-être même essayer de défendre ici, j'ai l'impression. C'est pas ouf. Voilà. Et ici aussi? Ah non, bah tant pis pour aussi. Tout cas bien, hein. J'ai perdu que deux trucs. Toi, tu retournes là, toi là. Aussi. Et là on reconstruit, on peut reconstruire, oui on peut reconstruire. Module laser, tu m'en fais deux. Ça marche bien quand même le module laser. J'ai découvert, oui j'ai découvert. Le robot de tir suppressif, ouais j'ai pas masse. Le HUD tactique. Ah oui ça va, c'est ça rajoute de la puissance à tous les héros. Ouais, la mitrailleuse, non, hein. Arrêtez avec ça, j'en veux pas. J'en veux pas. À vrai dire, je veux rien de tout ça. Si, ça, ouais. Ça me paraît le mieux, et puis c'est pas cher. Parce que ça m'augmente le module qui augmente la défense de mes héros, et j'en ai mis un là. C'est vrai que c'est bien quand même, mais faut pas. Petite brume qui était là, c'est quand on tue des ennemis, on peut en récolter, hein, donc des fois, bah, il y en a qui traînent un peu partout. Vous avez vu, hein, on l'avait pas remarqué, mais je crois qu'il était dans la salle là, hein, le héros, il est mort hein, depuis. On doit faire 2 tours, je pense même. On n'en entendra plus parler.
5 vagues. Ils attaquent violemment. Je me demande si on va pas les mettre tous là d'ailleurs. On va essayer. Si on peut protéger ici, pourquoi pas. Hein. C'est vrai qu'on est 4 quand même. Hein. Et ça commence à monter niveau 5. Ça se passe plutôt bien. Je sais pas pourquoi on prenait si cher au début. Parce que là, on arrive à défendre quand même. Et une plutôt belle manière, je trouve. À tel point que je vais repartir sur la bouffe. Ou alors je vais en mettre un sur la science. Un sur la science, un sur la bouffe. Voilà. Parce que si je perds 3 à chaque tour, bah ça va, je peux me le permettre quoi. J'en gagne 12. Ça va me recréer quand même un petit stock au fur et à mesure. Alors j'aurais aimé un de brume en plus, hein, ça m'aurait. J'aurais apprécié. Non, j'ai qui là? Non, pas toi. C'est la fille que je veux. Et donc on va continuer par ce chemin là. Une capsule cryogénique. Je vous aime plus spécialement, hein, vous les capsules. Trop de coups fourrés. Épisode précédent. En plus c'est pour de la nourriture. Ça m'intéresse plus. Par contre, je peux augmenter Gork le boucher corroseur. J'adore ce nom. D'un niveau. Et je vais pas me priver. Et vous voyez quand même, c'est un sac à PV quoi, plus 154 PV il gagne, et plus 5 de défense. Oh oui que je t'augmente. Et t'as gagné aucune compétence, mais bon. Voilà quoi, il va faire le taf avec tous ces PV là. Beaucoup de nourriture, mais vu que ça se passe bien, je prie pour que ça continue. Ça va me permettre de me faire un joli stock. Ici y a rien. Quoi, 6 vagues. Alors, on va quand même essayer de protéger ici. Donc tout le monde ici, allez. Je fais attention à la vie. Parce que elle fait tout le chemin quand même. C'est long. Un petit peu. Ça se passe plutôt bien quand même. Ah, j'aurais pas réussi à protéger. Bah, du coup reculer hein. Ça sert à rien de... Il y a du monde quand même, ouais. Faut faire attention. On a plein de modules. Allez, un soin. C'est pas perdu. Ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Parfait. On remet tout de suite les petits modules ici. On a gagné pas mal de brume. Effectivement, pas mal de brume. J'irai... peut-être faire un module ici, hein, mine de rien. Parce que... ça peut apparaître... ça peut plus trop apparaître ici si j'alimente. Bon, encore 3 salles, certes, mais... ça va, quoi. C'est pas la mort. Bon, les modules, ça c'est sûr, module d'attaque, et est-ce que j'ai assez? Et je serais prêt à faire un truc de science, hein. Pourquoi pas? Voilà. D'ailleurs, faudrait que j'augmente, hein, plus 8. Seulement avec 2 modules, quoi. Bon, bah ça me plaît, ça. Voilà, on remet lui à la bouffe. Lui peut rester au milieu, entre. Comme ça, on le dirigera là où il faut. Selon où ça pop. Générateur de brume 2 amélioré. Nickel. Du coup, une petite recherche. On peut lancer. 45 de science, je pense que je vais pouvoir lancer quelque chose. Il me propose d'augmenter encore. Ah, le module. Ça fait que ça. Attends. Quoique 41 de puissance, non, c'est bien. C'était à 30, ouais.
Donc non, ça fait... C'est pas que ça, c'est bien. On va l'augmenter. Hop. Et là, je pense que ce sera utile, on pourra commencer à en poser. Hein. À la place des mitrailleuses, hein, d'ailleurs. Je pense qu'on fera ça comme ça. Alors, on continue d'ouvrir un peu partout. En bas, ou je continue plus loin. Alors, toujours pas la sortie après 22 portes ouvertes, hein, magnifique. Un coffre. Ça, c'est pas trop. Voilà. Le 6 coups. Bon, on va voir déjà ce que c'est. Un flingue. Et c'est lui, c'est le monsieur là qui porte les flingues. Warden Mormich. Putain, faut que je me... Faudrait que je me souvienne de ces noms. Alors, 12 de puissance et un DN moins 0,2. 16 de puissance et un DN moins 0,3. Je suis à étage 5, hein. C'est pour me donner de la merde. Ben, elle me donne pas de coffre, en fait. Ah, je suis déçu, là. Déjà que j'en trouve pas, c'est vrai que je manque d'équipement. Hein. Vous voyez, regardez, il a qu'un objet. Elle en a deux, lui, il a que dalle, mon tank. Et lui, il en a deux. Je suis à étage 5, ils sont même pas équipés. Alors, lui, je pense que je peux le laisser alone. Il y a qu'une vague. Et du coup, on va regrouper les autres ici. Voilà. Ce qui est bien, quand même, c'est qu'il y a 5 vagues. Mais ça peut pas être autant la guerre qu'avant, parce que, bah... Vous voyez, il y en a, ils viennent de loin. C'est espacé, les vagues. Et du coup, ça rend... Ok, il y a 5 vagues, c'est beaucoup, mais... Par contre... Voilà. J'ai de la nourriture, oui. Ça m'a fait peur, parce qu'il faisait comme si... Hein. Comme s'il se soignait pas. Le drame. Monsieur prend cher. Je vais en envoyer un pour l'aider quand même. Allez, vas-y, vite. Donc, il y a un drame. Voilà. Et puis, bah du coup... c'est les deux là qui... Hop. On va mettre tout là, mais même... Directement. Oui, c'est bien espacé, du coup, ça... Ça arrive limite vague par vague, c'est... C'est pas si dangereux, voilà. Juste utiliser masse nourriture pour défendre ici. Du coup, deux modules ici. Et un module Tesla. Je prévois parce qu'il va augmenter, ça va vraiment... En fait, j'aimerais bien arriver jusqu'ici. J'aurais pas de défense à faire, mais comme ça il est safe, il y a plus rien qui... Ou alors... ouais, je sais pas, j'arrive... Bon, j'y réfléchis encore. Je suis pas sûr de vouloir alimenter ça tout de suite. Si je peux alimenter ici et que ce soit assez safe. Après ça, c'est important de le rendre safe. Je sais pas encore. Bon, on remet... Toi, on te remet là, toi t'étais là, et toi t'étais sur le module. On est quand même revenu à une situation plus stable. Hein. Même si la sortie... on ne trouve pas la sortie. Par contre, j'ai plus que la porte là à ouvrir. J'ai peur, j'ai pas envie de... Ouais, là ça serait... Là ça serait gênant, par contre. Ouais, non, c'est bien. Encore de la porte à ouvrir. Rien qui pop, ouais, j'allais dire, quand même, quoi. Alors là, rien. On va pouvoir tous les... je vais tous les regrouper immédiatement, direct ici. Par contre, les vagues ont l'air assez... Ouais, elle prend cher, quand même, la madame. J'ai pas tant de nourriture. Peut-être repenser à les remettre sur le... Sur la nourriture, hein. Tout se passe bien. Tout se passe bien, c'est vite dit. Hein. J'ai plus de nourriture, hein, quand même. Oh mon dieu, je l'avais pas vu, lui. Allez, tout se passe bien, tout se passe bien. Tout se passe bien, oui, mais on va reculer quand même. Hein. S'il te plaît, meurs pas. Merci. Tant pis, les structures, tant pis. Hein.
On va sur ma salle protégée. Comme ça le régénère, ça les régénère un peu. Ah, je perds beaucoup. Ouais, tout va bien, c'est ça, ouais. En même temps, je suis déjà à 24 portes ouvertes. Il m'envoie des sales vagues, hein. Ouais. Tout va pas si bien que ça, hein. Oh mon dieu, j'ai failli en perdre un. Sans, j'ai pas fait gaffe, hein, mais c'est rare qu'il se fasse attaquer en fait. Ouais, bah c'est une erreur. J'ai pas de recherche en cours, sérieusement. Le truc Tesla, il est pas fini. Ça va se finir là, alors j'imagine. Ouais, un tour. Critique. Non, enlève-toi de la science. Va faire, voilà, ça, ou de la nourriture. Je sais pas trop. La nourriture. La nourriture. Ouais, hein. Voilà, bon, bah on continue. Il y a des moments flippants, d'autres beaucoup moins, on sait jamais, ça change très vite en fait, hein, quand même. Bon, module Tesla, ça c'est une bonne chose. J'aimerais bien un petit peu de tranquillité, j'avoue que ça faisait masse temps que je me chopais les vagues là. Là tout de suite, voilà, il n'y a qu'une vague, du coup on peut se mettre là. Je sais que normalement je risque rien. Qui mettent du temps à arriver d'ailleurs. Et voilà. C'est pas fini. Non, il y avait un gros. Gros marchand, pardon. Voilà. Hop. Bon, j'ai 26 de nourriture, je peux leur mettre. Je peux leur mettre là. Alors, je peux alimenter une salle, je vais alimenter celle-là. Et ne rien y mettre, mais l'alimenter, c'est bien. Ouais, quoique, faut pas exagérer non plus. Là, au moins, c'est safe. Ouais, ça vient là. Ça vient là, ça vient là. Ah bah non, vous. Voilà, je peux faire ça, tout simplement. Puis ça va, il sera pas trop loin de la fight. Le temps que ça arrive, j'ai le temps de le ramener. Bah parfait. Ça peut plus pop au-dessus. Bon, du coup, la protection là, elle sert plus à rien, mais bon. Ce module là, je sais toujours pas ce que ça fait. Générateur d'industrie, niveau 4, quoi. Les modules présentés me plaisent pas des masses, hein, quand même. Il y a ça, ouais, d'accord, mais ça c'est 65, quoi. Mais bon, on va le faire. Parce que ça, ah ouais, quand même. Ça c'est bien. Non, je vais quand même partir de nouveau sur ce petit module-là qui augmente la défense. Ouais, bah on continue, on continue. Alors là, c'est un cul-de-sac, c'est ça? Pour ouvrir par là. Non, bah ouais, non, c'est un cul-de-sac. Du coup, j'ai plus que cette porte à nouveau. Avec une autre porte. Neuf d'industrie. Oh, une vague tranquille. Je ne vais pas me plaindre. Cette sortie, quoi. Sérieusement, j'ai plus de porte à ouvrir. Non. Je vais être... Je vais me faire avoir parce que la sortie va être vers le bas, en fait. Ou alors là, si... Ah, cul-de-sac, alors. Soit elle est là. Chance... Elle est là, ok.
Alors, je crois que j'ai pas trop tardé à y aller. Même si j'aimerais quand même qu'ils me finissent la recherche que je viens de lancer, mine de rien. Mais de toute façon, du côté droit, j'ai plus de porte à ouvrir. À part ici. Ouh, tu la sens la bonne idée. En même temps, si je vais devoir ouvrir de toute façon ici. Parce que sinon, faire tout ce détour en plus pour le cristal. Elle a combien sorti? 1, 2, 3, 4, 5. Elle est proche, hein, ce coup-ci. Elle est vraiment proche, mais il va falloir que j'ouvre ici. Et que je désalimente ici, par exemple. Et que j'alimente ici. Ouais, c'est spécial. Bon, pour l'instant, on va tout laisser. Ouais, on va faire comme ça. Enfin. Je suis embêté. Est-ce que je continue d'explorer? Est-ce que je fais le fou? Est-ce que je vais à la sortie directe? Je crois que j'ai fait assez le fou, hein, cet étage. Faut que j'aille à la sortie directe, du coup. Il faut que j'ouvre quand même encore une porte, obligatoirement. Pour le. Comme je vous ai dit, pour éviter l'énorme détour à faire avec le cristal, et on va ouvrir la porte là. Hein. Par contre, j'ai peur que ça arrive en masse par là. C'est le souci. Non, pas de mitrailleuse. Arrête avec tes mitrailleuses. C'est nul. Et du laser. Ah, j'appuyais pas sur Shift. C'était pas Shift, ça. Module laser, et je ferais bien un truc de défense là. Le. Ah, bah en plus, il a amélioré. Il vient de passer niveau 3. Bah, excellent timing. Parce que là, bah, je vais pas lancer de recherche et je vais aller directement à la sortie. Y a pas à chier, on va faire ça. Hein. En plus, ils sont gentils. Ah ouais, c'est parfait. Bah écoutez, hein, sans plus attendre, hein, j'ai pas mal de ressources. On va aller à la sortie. Hein. On va pas faire le fou. Atteindre l'étage 6, j'ai. Je crois que le max que j'avais fait, c'était l'étage 5. Donc je crois qu'on est en présence de mon record. Là. Belle partie. Bon bah on va préparer ça. Bah, écoutez, de toute façon, si je désalimente ça, ça va. Voilà. Tiou, 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 tiou. Voilà. Alors. Il faut tout alimenter déjà jusqu'à la sortie. Ici. Ça peut pas comme ça. Ici, ici. Voilà. Autant dire easy là, j'ai envie de dire. Non, mais là, on va pas là. Ouais. Ça arrivera jamais de si loin. Du coup, bon bah toi c'est toi qui prends le cristal, mais eux je vais les mettre assez loin. Hein. Parce que ça, toi je vais te mettre directement ici. T'es tellement lent que c'est bon, pas de drame, ce serait dommage. De toute façon je pense qu'il n'y en aura aucun. Franchement ça me paraît très tranquille le chemin. Mais en même temps on a ouvert. Ah ça a pris 4 vagues directes. Vous vous rendez compte un peu? Hop, hop. Et voilà. Aucun souci. Et ça fait plaisir. Alors, le petit récapitulatif. Durée du niveau, presque 48 minutes. Durée totale, 3h24. Hein, depuis le début. Hein. Ça passe vite. Et créature tuée, 700 depuis le début. Ah, le massacre. Et 115 portes ouvertes, on en a ouvertes énormément. Et ressources stockées, un peu de tout, ce qui est très bien. Voilà, prochain étage. Étage 6, vous venez de. Il m'affiche toujours un message à la con. Hein, et puis, genre, vous venez de déverrouiller ce personnage-là. Oui, bien sûr. Je l'ai depuis deux ou trois étages. Enfin, voilà. Alors, un petit, petit épisode tendu au début. Après c'était tout du contrôle, hein, je pense, c'était plutôt bien mené.
puis bah voilà. Tout est bien qui finit bien pour le moment. Étage 6. Et donc, bah, à la suite dans un prochain épisode. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao!